Bonjour, cher Nicolas. Bonjour. Tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous laisse d'abord vous présenter. Oui. Ok. Bonjour, ça va. Je m'appelle Alcide Nicolas Junior Biak et je suis à l'université SMTS faisant partie de la promotion de radio. Chez BTS et voilà. Voilà, donc Nicolas, DG3, promotion Marblon de Job. Vous avez été en programme d'échange pendant 6 mois, plus précisément à Noventia. Donc vous avez passé votre deuxième semestre là-bas en France. Et donc parlez-nous un petit peu de votre expérience, qu'est-ce que vous avez vécu et aussi donner des conseils à ceux qui voudront partir et tout. Allez, parlez-nous à propos de votre programme. Voilà, par rapport au programme d'échange, ça a été riche en expérience, bien sûr. Parce que déjà, on quitte un environnement qui nous est familier afin de rejoindre notre environnement dont on ne connaît absolument rien, d'autres façons de faire, d'autres pédagogies sur le plan de l'éducation, sur le plan de l'école. Donc, à Noventia, ça a été une expérience parce que voilà, on se côtoyait avec plein de nationalités, avec des Chinois, des Russes, des Américains. Donc, forcément, il y a ce brassage-là, forcément, il y a des expériences qui en ressortent. Donc, ça n'a pas été chose facile. Toute personne qui est partie en programme d'échange ne te dira pas que ça a été facile. Parce qu'on a des habitudes qu'on a créées ici. On a eu des habitudes qu'on a tout le temps eues ici, des comportements. Et une fois là-bas, ça passe pas. Donc, il faut juste s'adapter à l'environnement. Heureusement, à l'innovation, on a rencontré aussi des gens qui sont venus. Voilà, de Noventia aussi qui sont allés à l'ISM Dakar, donc ils connaissent un peu le Sénégal et la façon de penser des Sénégalais. Donc ça nous a un peu aidé parce qu'au début on était renfermés sur nous, on était qu'ensemble, on arrivait à peine à côtoyer les autres cultures. Mais après, avec ces gens-là qui nous ont aidés à mieux nous intégrer, à nous sentir dans notre environnement, donc je pense que c'est une expérience. Ok, d'accord. Donc, ma prochaine question est celle-là. Pourquoi le programme d'échange? Pourquoi avez-vous choisi d'aller poursuivre vos études en France? Pour dire vrai, c'était pas une vocation pour moi. Au début, j'ai eu des amis qui m'ont poussé à déposer pour le programme. Franchement, j'y ai pas pensé. Donc, parce que voilà, j'étais pas très emballé par le fait d'aller au programme d'échange. Mais voilà, juste je me suis dit, bon, ça me coûtera rien de déposer. Donc, j'ai déposé. Par la suite, je me suis dit, voilà, ça peut être un plus pour moi. Ça peut peut-être être un plus sur mon CV. Donc ça peut jouer à ma faveur, donc je me suis dit pourquoi pas tenter le coup. Ok, ma prochaine question est la suivante. Donc nous savons qu'il y a certaines personnes vraiment qui souhaitent aller à un programme d'échange, d'autres qui sont fraîchement venus, qui ne connaissent rien du tout du programme. Donc qu'avez-vous à dire pour ces gens-là qui ne savent rien de ce programme d'échange? Et aussi, quels conseils donneriez-vous à ces gens-là qui sont vraiment intéressés par ce programme? Le premier conseil que je vous donnerais, c'est un seul mot que je dirais, c'est l'anglais. Il faut être calé en anglais, il faut avoir la base, parce que le français, ça s'arrête ici à l'aéroport de Beaulieu-Saint-Sébastien. En France, dans le programme d'échange, tu seras pratiquement rarement en classe avec des Français. Tu seras qu'avec des expatriés. Donc forcément, l'anglais, ça joue. Moi, je me rappelle mon premier cours que j'avais eu, le premier cours à Noventia. Je me rappelle de ce cours parce que je ne l'oublie jamais, parce que ce qui s'est passé là, ça m'a dépassé. Je me rappelle de ce cours, on était dans l'amphithéâtre, en séminaire avec un prof hollandais. Et voilà, il faisait une présentation en anglais.
Mais pendant 1h30 de présentation, je n'ai retenu que deux mots en anglais. Pour vous dire que voilà, l'anglais qu'on parle ici, c'est bien beau, mais une fois là-bas, c'est un tout autre anglais, c'est l'anglais le plus rapide. C'est rapide. Il faut tenir aussi en compte des cultures de la provenance de chacun. Imaginez un chinois, la langue chinoise. Imaginez un chinois qui parle anglais. Qu'est-ce que ça peut faire? Rien du tout. Donc, il faut d'abord avoir l'oreille. L'oreille, l'anglais, c'est devenu très primordial pour le programme de chance, c'est primordial parce qu'il n'y a que ça qui pourra t'aider à avancer. Donc, notre conseil, c'est juste être humble, être humble et savoir ce qu'on veut. Parce que les Européens, ils savent s'amuser. Il faut s'amuser de ça. Donc, si tu te suis trop l'amusement, les organisations qui se font dans ces écoles, tu ne feras pas ce que tu es venu faire. Donc, mon conseil, c'est de garder la tête haute, d'y croire. Et voilà, le reste, ça viendra après. Bon, en tout cas, merci. Hein. Je pense que le message a été clair. L'anglais, qui est de nos jours la base de tout, vraiment. On a une business school, que tu ailles en France ou bien dans tout le pays, hein, vraiment, l'anglais vraiment est présent là-bas. Bon, en tout cas, nous vous remercions beaucoup, cher Nicolas, d'avoir accepté notre invitation. Et j'espère, je vous souhaite en fait un très très bon retour dans ces jours-ci. Et prenez soin de vous et une très très bonne continuation dans votre vie professionnelle. Merci beaucoup.